dans les stades. Non, on n'est pas du tout dans un stade, mais plutôt on est dans une fan zone, précisément au stade Sikam. Et on est loin de Yaoundé, plutôt à Douala, pour vivre la rencontre Cameroun-Cap-Vert. Il y a du monde, mais laissez tomber quoi. Il y a du monde et ça n'arrive pas à arriver. Hein. Ils sont toujours en train d'arriver. Là, le match a déjà démarré. Et j'avais hâte en fait de vous montrer un tout petit peu l'ambiance dans la capitale économique du Cameroun. Comment ça se vit en fait cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et j'ai même pas de mots parce que il y a de tout en fait. Il y a de tout. Il y a à manger, il y a à boire. Il y a du fou rire, il y a tellement d'activités autour des fan zones. Allez, on va regarder un tout petit peu comment ça se passe. Et pourquoi pas se retrouver en fait dans des lieux un peu fermés où aussi ils vivent leur CAN à leur manière. Allez, à nous la CAN. Très bien pour le moment, ça le problème. Ils ont fait une bonne entame de match et nous avons confiance que ça va se passer dans les bonnes conditions. Espoir qu'ils vont remporter la 33e Coupe, non ? C'est la CAN, non ? Bon, c'est génial. Hein. Nous, on attend plutôt que la victoire du Cameroun. Parce qu'on espère que nous allons gagner et sortir premier du groupe. Le score ? 2-0 en faveur du Cameroun, bien sûr. Alors, à ton avis, qui va marquer ? Aboubakar, Vincent et Kambi. Je pense que ce match, le Lyon joue ça avec beaucoup de suffisance, étant donné que nous sommes déjà qualifiés. Donc je ne vois pas vraiment mettre suffisamment de pression à l'adversaire comme dans les matchs précédents. Donc je me dis quand même que d'ici la deuxième mi-temps, peut-être qu'ils pourront faire sortir un peu de chakra, comme depuis le début de la compétition. Espérons qu'ils nous feront encore vivre, parce que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On attend que les Lyons nous fassent rêver comme déjà au long des deux premiers matchs. On attend un 3-0 tout à l'heure, bien que la rencontre commence de façon morose. Mais on a espoir que tout va se passer. Dès que Vincent Baka va marquer le premier but, le compteur va être lâché. Ça se déroule bien, qu'elle continue avec la même ambiance et que les gens viennent dans les fan zones et qu'ensemble on apporte notre soutien à toutes les délégations qui sont présentes au Cameroun.
them. Cameroon has been winning since the beginning of AFCON, okay? So right now, I don't give a shit what's going on. All we need is one more goal. And it's a wrap. You get it? One more goal. And period. Yeah. Done. Woo! Ouais. Présentement, nous sommes au Bistrot 89. On est venu voir une partie du match dans un endroit posé, voilà, chic, jeune, tendance. Question de vous faire partager en fait les endroits in de Douala. Les endroits in de Douala. Et là, c'est, aujourd'hui, c'est un peu très difficile quand même pour les Lions, hein, parce qu'on est à quoi un but partout. Et on leur a déjà dit, arrêtez de jouer avec le maillot jaune. Parce que le maillot jaune, ça nous porte toujours poisse, en fait, sur le terrain. Jouer avec le maillot vert, nous, on aime ça. Donc, du coup, c'est très compliqué. On est un peu fâchés pour certains, voilà. Et pour d'autres, bah tiens, on est déjà presque qualifiés, disons ça ainsi. Hein. Mais bon, à nous la canne, on garde espoir. On espère qu'avant la 90e minute, on aura un but. Mais là, c'est encore un nul, un but partout. Je pense qu'on peut gagner ce match. Donc, on n'a pas beaucoup, un peu plus d'efforts, des passes collectives. Mais comme Gamelo est sorti et Choupa est entré, donc le but va venir, le but vient. Ça arrive. Je suis venue dans un snap pour profiter de l'ambiance, être avec mes amis, en plein air. C'est vraiment beau quand le Cameroun joue, on est ensemble. C'est... I like it. Ça fait plaisir. Le Cameroun n'est pas au top, au fixe, parce que le Cap Vert déjà, c'est une équipe qui est bien en place, mais c'est pas une équipe qu'on compte par exemple dans le top 10 des pays africains pour le football. Voilà, je pense que le Cameroun pourrait faire mieux afin qu'on puisse gagner cette rencontre avec un grand écart, peut-être 2 buts ou 3 buts, mais bon, on regarde encore le match là. Nous sommes qualifiés, je suis pas déçu. Je suis fier de la prestation de nos Lions indomptables et surtout de notre frère, du mari des Lions indomptables. On va lui soulever. On va lui soulever jusqu'au ciel. C'est le chouchou. Merci. À Vincent Bouaka. Voilà. Pas de victoire, pas de défaite, un nul. Pas le plus normal hein, que de festoyer parce que nous sommes qualifiés en fait pour le second tour. Voilà, chin chin. Et en plus c'est très délicieux. Nous sommes au Bistrot 99, c'est à Bona Moussadi. À Douala, ben nous la canne. Elle se poursuit en tout cas, elle est très sucrée d'ailleurs comme ce jus d'ananas.